Attention, grosse vidéo informative, elle switch d'alter en live. Et en plus, il y a écrit dans hashtag psycho, donc il y a psychodélique peut-être dedans, je sais pas. Mais vous allez voir, ça va être assez lunaire. Vidéo réaction, comment vous allez switcher d'alter? Moi je veux savoir, c'est un peu le feuilleton du jour, hein, on sait pas. Hey, je viens à vous parce que ça fait des heures et des heures que je lutte contre un switch. Donc j'ai eu le temps de m'y préparer et à peu près savoir qui c'est. Normalement, je sens beaucoup mercredi derrière et je suis en conscience. Ah oui, parce que maintenant son nouvel alter ça doit être mercredi de la série Netflix, vous savez, la série qui cartonne. Alors coïncidence, bah, je ne pense pas. Hein. En tout cas, ces alters sont forts, ils arrivent à copier les personnages existants très connus et cool. C'est incroyable ça aussi. Et quand tout switch, c'est comme Kirito et Asuna dans Sword Art Online, c'est Switchy Asuna. Comment ça se passe? Switchy! Je sais pas. Sec et là. Du coup, je baille beaucoup parce que je suis très dissociée. Comme vous pouvez le voir. Du coup, c'est Lola au front pour le moment. Et du coup, bah, je vais juste essayer de vous montrer un peu à quoi ça ressemble. Pour vous voyez, c'est pas spectaculaire. L'alter qui va venir après moi ne va pas masque. Ça veut dire qu'il va pas faire semblant d'être. Ça veut dire qu'il ne va pas faire semblant d'être un autre alter. Bah, je suis plus là par contre. Ça devient un peu trop ésotérique pour moi. Les experts en expertise, de l'aide. Et voilà. Mais qui est l'alter? Qui? Mind fucking. Oh. J'essaie de mettre de la musique pour faire passer le switch plus vite. Alors peut-être la musique? Alors peut-être! La Britannique est en train de chanter pas. Allez, on y croit. On veut le switch. Ça arrive! Mal à la tête, honnêtement. Plus. Oh, c'est incroyable. La Switch. Est-ce qu'elle a changé de personnage comme dans un JDR, vous pensez? Alors peut-être. La Britannique est en train de chanter pas. Je suis encore dissociée. Oh, c'est incroyable. Et là, elle s'appelle. Je okay. Savais que Lola filmait. Je m'appelle Ella, je suis l'alter persécutrice, actrice du système. Oui, je fronte quand il est tard, quand on stresse, etc. Fait peur en tout cas. Attention, analysons le facteur criminel de ton alter méchante. Facteur criminel estimé à 472. Ah, appelez l'exécuteur, appelez Guinoza. Bonjour. Elle s'est ancrée directement en arrivant sans période d'adaptation. C'est ouf ça. Oula, c'est quoi ça? Oula, qu'est-ce bonjour, que tu n'as pas dit là? J'ai pas vu que ça fumait. C'est très bizarre. Attends, mais... Ah, ça a switché encore, c'est Aude. Je m'appelle Aude, je suis une alter protectrice principale du système. Voilà. C'est incroyable. Bah, j'espère que... Je sais pas à quoi sert cette vidéo du tout, je suis perdue. Qu'est-ce que je fais là? Ah, moi non plus, voilà. Je sais pas ce que je fais là. Bonne soirée. Hey. Bonne soirée, écoutez. Mais c'est pas fini, regardons maintenant son alter final, la phase finale, c'est mercredi. Je suis une des trois alters mercredi du système. J'ai 16 ans, je suis une alter sociale et une alter persécutrice. Je suis donc une alter fictive, inspirée des sources de la famille Adams, des valeurs de la famille Adams et de la série à mon nom. Que vous me croyez ou non, je m'en fiche. Qu'à vos yeux j'existe ou non, je m'en fiche. Juste, je suis là, et que vous me croyez ou non, ne changera pas ma présence. Étant donné que je suis une auteure fictive, je m'éloigne énormément de ma source, notamment dans ce qui est la question des aspirateurs d'âme, je continue de les appeler ainsi, mais... Une référence à la série, ça ou quoi? Et en aucun cas, je ne continue à persister de m'en éloigner. Néanmoins, pour les choses qui restent inchangées, je reste intransigeante sur mon asexualité et sur mon aromantisme. De plus, il faut savoir à mon sujet que je ne suis pas une alter dangereuse pour les gens. Je ne mettrai pas de piranha dans vos piscines. Je ne guillotine pas mes poupées. Simplement, cela fait partie de mon passé et de ma mémoire, bien que je ne me reconnaisse pas énormément dans ces faits. Si c'était de la fiction, j'aurais été plus cruel. Bien. Voilà. C'est assez ésotérique quand même. Est-ce que tu pourrais expliquer? C'était bien Switch d'Alter. Le Switch avait l'air long et douloureux.
C'est quoi le titre de la musique d'Aru de Sandstorm? Oula, carrément, oula! 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 Qu'est-ce que tu n'as pas dit, là? C'est complètement zozo. Qu'est-ce que vous pensez des Switch d'Alter? El Kekos fait des vidéos réactions dessus, là je pense que tu as du malaise. Tu as du malaise, Ox, on peut aller sur Mars, là. On a chargé tous les Starships, là, on peut charger 50 Starships en Malaisox. C'est pas moi qui le dis, c'est véridique. Il faut le savoir, hein. Bref, qu'en pense Padawam? C'est ridicule, quoi, personne n'y croit. Oula, attention, Hideo Kojima, tu dis femme. Moi, j'y crois à 100%. Bref, moi, je piche toujours que dalle. Je piche que dalle. Eh ben, laissez vos avis. Qu'est-ce que vous pensez de ce Switch d'Alter? Est-ce que vous voulez une saison 2? Moi, je pense que oui, c'est incroyable. Avec les nouvelles séries Netflix, s'il vous plaît, hein, parce que ce sera encore mieux. Allez. Et n'oubliez pas, je pense que tout est corrélé. Allez voir la nouvelle vidéo de l'Homo Novus. Bah, en vrai, j'écris test, mais c'est pour attirer les golems et qu'ils postent leurs messages et qu'ils fassent augmenter le référencement. Bah, en vrai, c'est juste pour vous introduire le terme d'Homo Novus. Et je pense que c'est très adapté à ce type de personnage tiktokien. À la plus, Mogus.